Salut poto, comment ça va gros, la forme ou quoi? Moi ça va, le week-end se rapproche, c'est cool, ça devient bon, on est vendredi, peut-être qu'on travaille samedi, on verra, ça sera la surprise en tout cas. Là on se retrouve pour une nouvelle vidéo, bien évidemment, c'est évident mon petit démon. On va aller faire un petit tour du côté de Paris chez Renault pour présenter ce petit Renault Premium, retravaillé, refait, remasterisé, enfin on peut donner tous les synonymes qu'on veut. Voilà, il a été refait. Donc, on va vous le présenter et vous allez voir qu'il est plutôt pas mal. Voilà, en grosse cabine, en châssis, où on va se prendre un 6-4 en châssis, histoire de se faire plaisir. Au point de vue des moteurs, vous avez du 380, 430 et 460 chevaux. Boîte de vitesse, à peu près comme d'habitude, hein, en général, c'est tout le temps les mêmes qu'on voit. Donc là, on va prendre une 12 rapports, la Auto 260, non, la Auto 2612 DR. L'intérieur, vous allez voir, a été un peu travaillé aussi, c'est plutôt pas mal. Voilà, en version privilège ou excellence. Moi, je vais prendre la privilège. Pourquoi, je sais pas, j'ai envie de changer. Et là, point de vue du skin, vous allez voir, il y a énormément de skins. Voilà, le Dacia, le Faircam, le Fiège, le Fregia, le Kun. Voilà, le Kun pour qui je travaille en ce moment, hein, XPO Kun, à savoir que c'est exactement la même chose. Les ND qui n'existent plus malheureusement puisque c'est XPO, le Renault Premium avec ce petit skin plutôt pas mal, le Raven et les autres avec le 380, le 430 et le 460 qui a son propre skin, le Schnecker, le DB, le Zoftrosbrazapta, le Willy Betts et puis après vous avez encore celui-ci aussi qui est complètement différent. Et puis après, ce sont les modes, je dirais, du jeu en lui-même avec les DLC. Voilà. Et bien, nous, on va aller se prendre celui-là. Il est où? Le voici. On va aller se prendre ce Renault Premium-là. Voilà, comme ceci. Plutôt pas mal. Et on va aller aux équipements. Alors, équipement, il y a l'air d'avoir taquet d'équipements. Donc, on va faire ça au fur et à mesure, comme d'habitude. Pof, pof, les petits flacs. Voilà, les petits flaps qui lui vont bien, qui lui sied bien. Lequel seul toll bar? Est-ce qu'il lui. Ah, il le prend pas bien, lequel seul toll bar? Alors, allez, on va mettre le Sting peut-être. Le Sting non plus, l'accent. Oui, l'accent le prend plutôt pas mal. Mais on voit plus trop le Renault en soi. Bon, allez, on sait qu'elles sont là. Hein, on sait qu'elles sont là, c'est le principal. Ouais, petite loupiote habituelle. Hop. Oh, ça klaxonne dehors. Hop, hop, hop. Pof. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, bah voilà, on peut améliorer tout ça. On va le laisser comme ça. C'est plutôt pas mal, j'aime bien comme ça. Niveau des feux, pièces d'origine, tous les blacks. Voilà, à l'intérieur. Voilà. Calandre. Alors, la calandre, on peut pas mettre ça, on peut pas mettre ça. Ah, on peut mettre celui-là. Non, ça, lui-ci est pas bien, voyez. Ouais, pas mal. Ça va pile poil sur les accroches. Nickel. Qu'est-ce qu'on pouvait faire ici? Changer la calandre, on peut la changer encore en, comme ça, en pièce d'origine ou en plastique. On va mettre pièce d'origine, c'est plus cool. On va revenir sur le pare-buffle, on va lui mettre les Oscars. Hop, 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 hop. Les Oscars, on va lui mettre lesquels? Ça lui va bien ça? Ouais, c'est pas mal. Allez hop, les petits Oscars qui vont bien. Et si on mettait des gyrophares ici? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? On va mettre des gyrophares, tiens. Histoire de se taper un kiff. Et puis là, on va se remettre des petits. Vous allez voir. Ça va être marrant, ça. Oh putain. Je suis en train de vous faire un camion, les gars. C'est what the fuck. Les petites plaques, comme d'habitude, standard. Mais vous allez voir qu'il y a. Non, on va changer. Il y a aussi en bleu. Bref, on va faire ça comme ça. Voilà, donc vous avez le standard green, le purple, enfin à chaque fois il faut. Vous en avez énormément, vous avez le yellow, donc nous on va se mettre en blanc puisque. Bah, autant se mettre blanc puisque le camion est blanc. Blanc, voilà. Ici, Dante, il est d'origine, donc on n'a pas grand chose à faire. Les feux, ils sont peints, plus rien à faire. Ici, on peut mettre le signe Renault, mais c'est moche parce que bon, on a quand même un petit skin derrière, hein, donc on va le laisser comme ça. On continue de grimper. Qu'est-ce que c'est ici? Voilà, pièce d'origine, mais on peut mettre le Racing comme ça, qui lui sied bien aussi. Ou celui-ci en samouraï, qui a l'emplacement exprès fait pour l'Ante, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Allez hop,
La Kelsa, on va pas la mettre parce que la Kelsa, elle bloque beaucoup. Est-ce qu'on peut trouver une autre? Ouais, on va se prendre celle-ci. On va se prendre celle-ci, on va se mettre une petite horn. Qu'est-ce qu'on a derrière? Là, ok. Hop là, on va se mettre une petite horn. Pof, pof, pof. Oh, un petit roar. Voilà, un petit roar. Mais... Allez, hop, le petit roar. Le bibibi. Le bibanum. Hop, hop, hop. Bibibibanum. Voilà, on va lui remettre ses Oscars qu'on lui avait mis en dessous. C'est pas ceux-là qu'on avait mis en dessous. C'est ceux-là. Voilà. Voilà. Allez hop, ici sur le côté, les petites marches, on va se mettre en ninja. Ninja, voilà. Ninja, ça lui va bien. Ici, les flags. Allez, on est français, on est Renault, on est 100%, on est à Paris. Allez, on cherche le drapeau français. Où est le drapeau français? Voilà, comme ça lui va bien. Hop, 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 franchise, franchise, ok, ici, c'est bon, c'est cool. Là, on a la possibilité de mettre des décalcos, voilà. On va se rapprocher, vous voyez un petit peu plus. Voilà, hop. Différents décalcos qu'il puisse y avoir. Donc c'est plutôt pas mal, il y en a une bonne vingtaine. Donc, comme je suis un bonhomme, je vais prendre celui-là, voilà. Très bien. Hop. Et voilà, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Ici on va le peindre. Voilà, peinture et chrome. On a fait quasiment le tour. On va finir. Il y a encore ici la possibilité, soit ça, soit comme ça. On va se mettre en blanc. Les pneus, bon, ici pas grand chose à faire. On va se mettre ici comme ceci. Là en blanc. Hop, hop, on va le laisser très sobre. Car ça va lui aller très bien en sobre comme ça. Hop, là, une petite protection qu'on vient de découvrir. Pof, 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 on va faire la même pour l'autre. Ici en runner. Hop, on va refaire la même chose en blanc. Voilà. Ici, tout a été fait. Les feux, tac, tac, ça c'est fait. Ici, on a encore une option. Le spoiler. Si on veut mettre le spoil. Ou le spoiler comme ça. Alors maintenant que je viens de le voir, parce qu'il était bien caché ce cochon, on va se mettre le spoiler parce que ça lui va bien. Ouais, vous voyez. Voilà, ça lui va plutôt bien, c'est plutôt pas mal. Et franchement, il est plutôt joli. Hein. Vraiment, pour le moment, je suis pas déçu. Point de vue des modes, ici, on a la possibilité de changer encore ceci. Et encore ici, la possibilité de mettre la petite boule qui lui va bien. On va se mettre du bleu, non. Ouais, du blanc, soyons honnêtes, autant mettre du blanc. Le petit GPS, ça c'est bon. Là, les plaques, c'est bon. Ici, le sac, et ouais, parce que quand on part sur les routes, il faut avoir de quoi, autant de quoi se changer. Ici, toutes les DLC sont compatibles, c'est fortement bien. J'adore. Hop, la petite roquette, ici, le petit Wawa. Ici, la roquette, elle est placée. On va se mettre le petit Scania. Voilà, là, là. Et quoi d'autre? Allez hop, ici, possibilité d'ensemble, on l'a déjà fait. La petite tête de mort, comme d'habitude, parce qu'elle me va bien. Le petit pendant ici, les petits pendants là, on va te mettre en line. Hein, on va se prendre le pendant Renault, qui est le rouge. Il est là, le Renault, ici, on va te mettre les scarfs. Voilà, les jolis petits scarfs, hein, plutôt les choses habituelles. Alors c'est vrai que je devrais peut-être télécharger un autre mode que ça, mais bon. Alors, là, c'est le truc d'origine. Je vais peut-être télécharger un mode histoire d'avoir plus de choix. Mais après, le problème d'avoir plus de choix, c'est qu'on ne sait plus quoi choisir, en fait. Ouais, c'est le gros problème. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est un gros problème. Je sais jamais quoi choisir. Enfin, voilà, le camion est fait. Il est prêt à aller sur les routes françaises et du moins européennes. On va aller voir ça de suite. Comme d'habitude, on va faire des petits tours de roue. On va aller chercher une remorque si on arrive à trouver une bonne petite remorque. J'upload la vidéo et on lance le live. Ça, c'est cool. Ok. Allez, hop, on va voir si le volant a son option d'ouverte depuis la nouvelle mise à jour. Voilà. Vous voyez. Hop, hop, hop. On va mettre les feux. Hop, hop, hop. Hop, est-ce que c'est gérable? Oui, ça aussi, c'est gérable. Ça fait plaisir. Hop, 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 hop.
Alors, on va faire attention parce qu'il y a aussi au démarrage. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Voyez, il y a ça. Donc, on va le régler une fois qu'il est en route, surtout. Voilà, là, il est en route. On va pouvoir le remonter. Non, le remonter, j'ai dit. Voilà. Comme ceci. Comme ceci. Voilà. Ça, c'est bon. Animation, hein, on l'a vu, hein, le camion a sa propre animation. On passe en extérieur pour le voir comme d'habitude. On va aller voir s'il y a une petite grosse cargaison qui est pas disponible. Et puis sinon, ben, on va se débrouiller. Voilà. Très très beau Renault Premium, très très beau camion, très bien fait. Bravo au modeur. Ah, est-ce que ça a touché ou pas? Non, ça n'a pas touché. Avec les petits drapeaux qui lui vont bien. Oula, 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 oula vache! Le petit bruit du clignotant est plutôt pas mal, vous allez entendre, écoutez. Allez hop, on va se prendre une remorque, hein, n'importe laquelle, parce qu'autant vous dire que là c'est un Rogneau, c'est du premium, pas beaucoup de chevaux, donc on va pas prendre un truc de dingue. On va juste prendre par rapport à la distance, quelque chose de pas trop long. Voilà, et 317 km, c'est parfait. 317, c'est parfait. Voilà. Allez, on attelle. Et puis, on va envoyer le stream. Alors, plusieurs rapports en marche arrière. Il y en a combien? 2, 3. Oula, j'arrive un peu vite avec la troisième. Voilà, et bah écoutez, sur ces mots de la fin, qu'une chose à vous dire, profitez de ce joli petit camion. Il est vraiment magnifique, hein, vraiment bien travaillé. Avec ces petites parties noires là, que j'ai laissées, ça lui va bien. Je préfère que c'est beaucoup plus joli comme ça. Franchement, je kiffe, il est plutôt pas mal. On va maintenant aller découvrir sur la route ce qu'il vaut. Et puis on verra ceux qui vont nous rejoindre. Voilà, allez. Plus qu'une chose à vous dire, profitez de ce camion, faites-vous plaisir. Attention sur la route, roulez prudent, avec prudence. Et sinon, peace!